Vous pensiez que le monde connu était composé de seulement 3 continents? Vous êtes bien loin du compte. On oublie très souvent le 4e continent du monde connu, et c'est normal car on ne connaît rien à son sujet. Si l'on sait déjà pas grand chose de Sotorios, je peux vous affirmer que l'on ne connaît quasiment rien sur le dernier continent, nommé Ultos. Par avance, je tiens à m'excuser si la vidéo est courte, mais je me base sur les quelques éléments que l'on connaît, c'est-à-dire 3 lignes de texte. Situé à l'extrémité est du monde connu, en face de la ville d'Ashai, la grande majorité des hommes découvrent l'existence de ce continent une fois qu'ils ont voyagé à Ashai. De ce continent, on ne connaît que la côte nord. Séparé d'Essos par le détroit du Safran, Ultos fait face à une petite île dont seules les ruines d'Ulos semblent être témoins d'une occupation humaine passée. De la maigre parcelle connue d'Ultos, on sait qu'elle est en grande partie recouverte d'une forêt obscure unique en son genre. La présence d'une large rivière est également à relever sur la carte. À ce jour, on ne sait rien sur la dimension de ce continent, d'ailleurs, on ne peut même pas affirmer qu'il s'agit d'un continent. Des rumeurs prétendent qu'il s'agit d'un immense continent, encore plus grand que Sotorios, d'autres disent qu'il s'agit que d'une petite île, certains affirment qu'Ultos est une extension d'Essos ou de Sotorios, bref, rien d'affirmatif à ce sujet. Les quelques rumeurs qui circulent font état d'un continent sombre hanté par une puissante magie noire qui aurait perverti la forêt, d'où la couleur noire de la forêt sur la carte. Ceci semble faire écho à la contrée des ombres où se situe Ashai. Même l'auteur J.R.R. Martin, questionné à propos de ce continent, reste évasif sur le sujet, parlant d'une très grande île dont la surface est comprise entre une grande île et un petit continent. Pour lui, garder le mystère des continents de Sotorios et d'Ultos est justifié, mais aussi purement délibéré de sa part, car il veut faire écho à l'histoire. Je cite une déclaration de l'auteur datant de 2014. « Même si l'Afrique était connue en Europe depuis les premiers jours de la Grèce antique, nous savions peu de choses sur l'Afrique subsaharienne. » Bref, Ultos est sans nul doute le continent le plus mystérieux qui n'a pas livré tous ses secrets. Un continent en dimension et peuplement inconnu dont on ne connaît que des spéculations. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'ultime continent du monde connu. Peut-être que ce continent, mais aussi celui de Sotorios, seront les théâtres d'un des spin-offs de Game of Thrones dans le futur, ou peut-être pas. Désolé si la vidéo peut paraître courte, mais j'ai essayé de vous présenter le plus d'informations sur ce continent. Merci de votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!